Ange Nicaise Dorégo, c'est vous qui êtes aux manettes de réalisation aujourd'hui. Dites-nous déjà avec Victoire ce que c'est, dis donc. Bon. Un bébé bien à l'aise, hein? Oui, hein? Tranquille. Il dit quoi? J'ai zéro thune en poche. Hein? Je suis au chômage, mais je vis comme un roi. Si je hurle. Vous voyez comment les enfants se moquent de nous. Et il poursuit. Si oui. Je hurle, mon assistante personnelle débarque. J'adore ma vie. Il faut rester bébé. Demain, bébé, mon ami. Il ne va pas devenir. Mais c'est la vie des enfants, hein, généralement. C'est surtout ça, des fait. Bébés, ouais, ben. Et son fils. Tous voilà, les parents doivent se retrouver à travers ça. Tout peinard. Hein. Oui. Vous voyez comment il est assis, ben, tranquille, les yeux fermés. Et c'est bien ce qu'il crie sur le de l'autre côté pour sortir, dans son quoi. Bain. Et puis bon, il fait de sa maman son assistante personne. C'est vrai en plus. J'imagine. Quand il ne dort pas, la maman ne dort pas. Mais c'est clair. Ouais, j'imagine toutes les misères des parents. Mais les enfants, ben voilà, ils disent j'ai zéro tu n'en peux, j'ai pas de l'argent en réalité, c'est ce que ça veut dire. Mm-hmm. Je suis au chômage. Il est au chômage. Mais je vis comme un roi. Il fait rien. Mais il vit comme un pacha. Et en plus, il dit mais si une. S'il hurle, oui. Son assistante personnelle débarque en même temps, il est co presto. Donc, nous les mamans, nous sommes les assistantes personnelles de nos bébés. Ouais, vous êtes les assistantes personnelles, hein, donc le gars, il est bien vautré dans son bain, il s'en fiche. Bon, voilà. Mais franchement. Merci alors, à vous. Oui, alors, oui. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Si on me demandait d'être enfant, c'est la première des choses que je choisirais. Vite fait. Mais c'est la première chose que je choisirais. Juste parce que, vous n'avez rien à faire. Alors, vous êtes là, vous, quand vous avez du manger, vous avez tout à côté de vous. Oui. Vous ne souffrez de rien. Alors, les gens se soucient même de savoir si vous n'avez pas de soucis. C'est une vie paisible, voilà. Une vie paisible, vous ne souffrez de rien. Ouais. Vous ne manquez de rien. Maintenant, pourquoi ne pas avoir cette vie? Donc, c'est la meilleure étape de la vie, ça. On est insouciant. Juste après ça, bon, vous avez trop de soucis. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous savez les soucis que vous avez là. Vous oui. Ben oui, justement. Non, mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est que lui aussi, lui que je vois là, il va grandir. C'est une étape. L'étape suivante, certainement, ça va la marquer. En fait, il faut profiter de chaque étape de la vie. De la vie, tout à fait. Ouais, il faut permettre aux enfants de demeurer enfants, d'être enfants, de vivre leur vie d'enfant. Et de permettre à l'adolescent de vivre pareil, tout en le canalisant. Et de permettre aussi aux adultes de vivre leur vie. Allez, merci si à vous. Si les enfants nous le permettent. Ah ben oui. Hein. Non, je pense que de toutes les façons, c'est juste une étape, effectivement. Comme l'a chanté Michel Sardou, je crois. On vient de marier le dernier. On vient de marier le dernier. Allez, on va faire ça. Vous savez, me taquiner, là. Tous les enfants sont partis. Donc, du coup, maintenant, il lui vient une idée. Alors, il me vient une idée, si on pensait un peu à nous. Mais c'est ça. Ah ouais, donc maman après, quand maman les enfants vont finir, assistante personnelle. Voilà, vous allez pouvoir se consacrer à papa. Allez, mesdames, messieurs, c'était la capture du jour.